Donc aujourd'hui, nous sommes le 20 juin 2018. Nous faisons le circuit 18, pardon, 16. Donc sur votre droite, nous avons Andrézieux-Bouthéon, une ville qui se situe à environ une quinzaine de kilomètres de Saint-Étienne. Là, en face, nous avons tout Saint-Étienne. Donc toute Saint-Étienne. Tout au fond, nous avons les contreforts de l'Auvergne. Et oui, nous sommes dans la région Rhône-Alpes. Donc tout au fond, au fond, au fond. Donc nous avons l'Auvergne. Ensuite, tout droit, nous avons le Bessin. Le Bessin, à une quinzaine de kilomètres de Saint-Étienne. Et au loin, on distingue les antennes de Luyon. Mais on voit, ça fait deux petits mamelons. Et c'est tout au fond. Donc ça, c'est le Yon, qui doit se situer autour de 1400 mètres d'altitude. Donc là, nous sommes sur la commune de Saint-Étienne, avec comme culture les maïs, le pré, beaucoup de maïs. En ce moment, le foin, les foins qui sont en train de se faire. C'est un des seuls jours où il fait beau, car pendant presque un mois, un bon mois et demi, nous avons eu de la pluie, toujours de la pluie, encore de la pluie. Voilà. Donc sur Andrézieux, il y a beaucoup de boîtes, d'industries. Donc nous avons de l'industrie mécanique, beaucoup de boîtes agroalimentaires. Sur Saint-Étienne, eh ben, nous avons le monument historique, le stade Geoffroy Guichard. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons le musée d'Amiens, très 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 joli, très beau à faire. D'ailleurs, on voit le stade Geoffroy Guichard qui se trouve juste en face de nous. 40 000 places, le chaudron. Donc là, il est tout au fond. À Saint-Étienne, il y a le musée de la mine, très 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 joli à faire. Ça retrace toute l'histoire des mineurs de fonds. Voilà. Parfait. Bonne continuation.